Bonjour, bonjour. J'enlève vos masques. Donc, bonjour, bienvenue à cet atelier danse et conférence donné par Luca Lazy Legs. Aujourd'hui, on vous invite à danser et à rêver une société québécoise plus inclusive et respectueuse de la diversité. Une société où nous avons toutes et tous une place. Aujourd'hui, nous et vous à la maison, nous allons apprendre un peu plus sur Luca, sur sa passion pour la danse et la signification derrière sa devise « Pas d'excuses, pas de limites ». À la fin de l'atelier, nous aurons un espace pour discuter avec lui. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser n'importe quel moment sur les commentaires de la vidéo ou sur les pages Facebook de l'INM ou du Musée McCord. Merci à tous, à toutes de nous accompagner aujourd'hui. Merci au Musée McCord de son implication avec la démarche « Rêver pour créer » et de nous permettre de tenir cet événement ici, chez eux. Bienvenue, Luca. Merci. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Yes! J'ai vraiment, vraiment hâte, parce qu'aujourd'hui, c'est mon premier spectacle en plus de 5 mois. C'est mon premier spectacle depuis la pandémie. Et j'ai vraiment hâte d'avoir performé soit live en arrière de l'ordinateur, mais en arrière de la caméra, vous ne pouvez pas voir, il y a 10 personnes. Puis ça, c'est le plus de monde que j'ai jamais vu dans la même chambre en même temps. C'est really cool! Alors, puis aussi, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce qu'aujourd'hui, je me suis donné un grand défi. Chaque fois que j'ai une opportunité de faire une performance spéciale, quelque chose qui me tient à cœur, je vais essayer toujours de faire quelque chose un peu plus différent. Et à la fin de ma conférence, je vais faire ma première spectacle en fauteuil roulant. Ça fait quelques années que j'utilise un fauteuil roulant pour ma vie et j'ai toujours voulu danser, puis j'ai créé une chorégraphie spécifiquement pour cet événement-là, Rêver pour créer. Pour que les personnes qui ne me connaissent pas, je dois être très honnête avec vous. Français n'est pas ma première langue. Et probablement, vous avez déjà compris ça avec mon accent. En effet, je suis né à Montréal, mais j'ai vécu la plupart de ma vie dans les États-Unis. Puis, quand je suis déménagé à Montréal, j'ai appris mon français vraiment juste en communiquer, en socialiser avec les gens. Alors, ça se peut que probablement je vais faire des fautes grammaticales pendant cette conférence, pendant l'atelier. Probablement, j'ai déjà fait plusieurs fautes grammaticales. Alors, je vous demande à m'excuser pour ça. Puis, si vous voulez me corriger sur les live, ce n'est pas de problème. Vous pouvez me corriger parce que je vais apprendre avec ça. Puis, je suis ici aujourd'hui à partager mon histoire avec vous, mais plus important, à partager ma passion avec vous. Puis mon message, pas d'excuses, pas de limites. Et pour moi, qu'est-ce que pas d'excuses, pas de limites, ça veut dire? C'est que je crois que dans la vie, on a tous la capacité de réussir n'importe qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Mais c'est le minute qu'on va créer une excuse et on va se dire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose sans essayer. C'est là où on crée une limitation et c'est là où on crée une barrière. Mais si on prend le temps d'essayer, si on prend le temps d'apprendre à faire les choses dans notre façon, si on apprend à s'adapter, il n'y a vraiment pas de limite avec qu'est-ce qu'on peut accomplir. Puis, avec tout ça, j'ai vraiment hâte de partager ma journée avec vous et j'aimerais danser pour vous. Mais avant que moi, je puisse danser, je dois m'échauffer. Puis, j'ai préparé un petit échauffement où le public, en arrière de la caméra, puis vous, le public qui regarde à la maison ou dans vos bureaux, je vais demander que vous allez tous bouger avec moi, parce que moi, je crois que tout le monde peut danser. Alors, je vais demander que vous allez répéter les mêmes mouvements que moi, je fais dans la meilleure façon que vous pouvez faire. La chose plus importante, c'est qu'on bouge ensemble. C'est tout. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Yes! Alors, DJ, hit the beat! On va prendre 3 grands respires, tout le monde ensemble. Un dernier. Et on va dire oui avec la tête. On va aller en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Est-ce qu'on va s'amuser aujourd'hui? Yeah! Maintenant, on va dire non avec la tête, côté à côté.
Est-ce qu'on est prêt pour l'hiver? Non! On va faire un tour complet avec la tête. On va faire un rond avec la tête. Longtemps. On ne peut pas se blesser. Et tout le monde, stop. On tourne le côté. On continue toujours à respirer. Attitude. Yeah. Pour les personnes qui sont en arrière de leur ordinateur, vous ne voyez pas, mais il y a 10 personnes qui ont tous bougé avec moi. J'espère que vous aussi, vous avez bougé avec moi. Comme j'ai mentionné, tout le monde peut danser. Puis maintenant, je pense que je suis prêt à vous donner un petit goût de qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que vous voulez me voir danser? Oui! Oui? Good. Alors, avant que je présente ma chorégraphie en fauteuil roulant, j'aimerais vous présenter mon style de danse, qui est le break. Et alors, je vais vous montrer mon style. DJ, hit the beat! Après ces longs mois, j'en ai même oublié comment me servir d'un micro. Et puis, on est aussi très, très heureux de s'affilier avec l'INM pour cette première activité post-confinement, ben en fait, déconfinement partiel, qui est dans le cadre de la campagne Créer pour rêver, à laquelle on vous invite de participer. Vous avez en bas de l'image le lien, vous avez juste à cliquer, réfléchir à vos rêves et à les rentrer. Luca, tu vas partager avec nous tes rêves dans une petite conférence qui suit tout de suite. Tes rêves, ta démarche personnelle, ta démarche de danseur. Est-ce que tu veux t'asseoir pour cette conférence-là? Non, ça va. Ça va être correct. Oh, ouais. Alors, je vous laisse avec Luca. Merci encore d'être parmi nous. Cool. Merci. Oh, c'est bon, j'ai le micro. Merci beaucoup. J'ai oublié l'énergie qui ça prend pour danser devant un public et tout ça. J'espère que
Vous avez aimé cette petite danse à la maison. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Et si vous avez aimé la musique, j'espère que vous avez bougé aussi avec ça. Je suis très content parce que pour ce spectacle ici, j'ai préparé une nouvelle partie de ma conférence d'habitude. Puis c'est quelque chose qui me touche à cœur parce que rêver pour créer, je trouve que c'est un concept qui touche tout le monde. Et aujourd'hui, on veut essayer d'inspirer les jeunes au Québec, autour du monde. Mais en réalité, je pense que n'importe quel âge qu'on a, on a tous le droit de rêver. Puis, tout commence avec une rêve. Une rêve va aider à définir notre ambition. Une rêve va aider à guider le chemin vers notre éducation, une carrière, notre compétence, la famille, qu'il y ait un changement dans notre vie et ou l'espoir. Mais une rêve ne va jamais être réalisée si on n'agissait pas. Les rêves prennent des formes différentes. Puis, c'est comment on va percevoir ces rêves qui peuvent contribuer à notre réalité. Réalistiquement, vos rêves, notre rêve, vont jamais être exactement comment on va les imaginer. Vous voyez, pendant le cours de votre vie, votre rêve va probablement changer avec le temps. Il y aura sûrement des défis sur la route. Et en grandissant, vous allez voir que votre rêve va changer, votre vision originale de votre rêve va changer. Mais c'est important de toujours croire en cette rêve. Si on reste ouverte, si on prend le temps de s'adapter et on trouve des solutions dans des problèmes, on va être capable de réaliser ces rêves. Mais ça se peut que ces rêves vont être un peu différents. Vous voyez, en grandissant, quand j'étais à l'école primaire, l'école secondaire, j'avais beaucoup de rêves. J'ai rêvé d'être un pilote d'avion. J'ai rêvé d'être une professeure à l'école. J'ai rêvé d'être dans une équipe de baseball. J'ai rêvé d'être une chanteur d'un groupe de musique. Puis mon plus grand rêve, même aujourd'hui, j'essaie de vivre ce rêve, c'est d'essayer d'apprendre à marcher sans mes béquilles. Mais aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas atteint aucune de ces rêves, mais je les ai atteints dans une façon différente. Vous voyez, moi je suis né avec un handicap que ça s'appelle l'arthrogrypose. L'arthrogrypose, c'est une condition qui affecte les os et les jointures du corps. L'arthrogrypose, c'est une condition assez rare parce que tout le monde qui est affecté avec l'arthrogrypose, ça peut leur affecter n'importe où. Pour moi, la plupart du temps, l'arthrogrypose, ça m'a affecté dans mes jambes et dans mes épaules. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai très, 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 très peu de muscles dans mes jambes. J'utilise des béquilles, j'utilise des orthèses, puis j'ai eu une totale de 16 chirurgies dans ma vie. La première chirurgie, c'était quand j'avais 7 mois, comme un bébé. La dernière chirurgie, et j'espère le dernier pour le reste de ma vie, c'était quand j'avais 17 ans. Malgré mon handicap, ma différence, je ne me suis jamais arrêté de participer dans des activités. N'importe quelle activité j'ai vu mes amis faire, j'ai toujours voulu participer avec eux. Mais j'ai toujours dû faire les choses un peu plus différemment. Quand mes amis jouaient au sport, soccer, football, baseball, hockey, n'importe quoi, j'ai joué avec eux, mais sur mes genoux. Pour le soccer, pour le hockey, j'ai joué à position de goalie. Pour le football, j'ai joué à la position de quarterback. Pour le baseball, j'ai joué à la position de pitcher.
toutes les activités, je les faisais, je faisais participer avec mes amis, mais j'ai toujours dû faire les choses un peu plus différemment. J'ai conduit une voiture, je vais accélérer avec mon pied, mais j'ai une barre de métal qui est attachée à mon frein, puis j'utilise ma main pour freiner. Je fais l'escalade, je fais l'équitation, je fais partie d'une équipe de natation et plongeon. Puis avant de découvrir ma passion dans la danse, ma vraie passion, c'était le skateboard. Puis la façon que je faisais le skateboard, c'était sur mes genoux. J'avais l'arrière du skateboard lui à mes genoux ici, j'avais le devant du skateboard lui à ma main, puis j'ai poussé avec l'autre main. Puis après, je prenais le côté du skateboard, je faisais ollie, 50-50, board slide, 5-0, kickflip. Ça, c'est tous les mouvements que les skateboarders professionnels faisaient. Puis moi, je faisais ça sur mes genoux. J'étais même commandité par une compagnie à Washington, D.C. Et j'allais devenir un skateboarder professionnel. Mais mon rêve comme un skateboarder professionnel était brisé quand j'avais 15 ans. L'arthropose, c'est une condition qui affecte les jointures du corps. Alors, la raison pourquoi je faisais tout sur mes genoux, c'est parce que j'avais mes jambes qui étaient toujours pliées à 90 degrés. Alors, si on imagine que mon bras, c'est ma jambe, j'avais ma jambe toujours pliée comme ça. Je ne pouvais pas l'extensionner plus que ça. Puis, à 15 ans, j'ai eu une chirurgie assez sévère, où qu'est-ce que les docteurs ils ont fait? Ils ont coupé mon fémur en moitié. Ils ont changé l'angle dans l'os, puis ça m'a donné l'opportunité à extensionner ma jambe à 180 degrés, comme plusieurs mondes. La bonne chose de cette chirurgie, c'est qu'avant, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. J'ai grandi 3 pouces. Mais la mauvaise chose de cette chirurgie, c'est que quand j'étais prêt à retourner sur mon skateboard, ce n'était plus la même chose. Mes pieds commençaient à se traîner sur l'asphalte. La cicatrice était juste sur mon genou. Alors, les vibrations du skateboard commençaient à déranger ma cicatrice. Et durant ce temps-là, je me suis senti complètement perdu. J'avais aucune idée qu'est-ce que je pouvais faire parce que mon rêve était brisé. Mais durant ce temps-là, j'avais une amie à mon école secondaire qui me dit « Luca, ne te préoccupe pas. Si tu ne peux pas faire du skateboard, tu pourrais faire du breakdance. » Moi, je lui regarde, je dis « Le breakdance, c'est quoi ça? » J'avais aucune idée c'était quoi le breakdance. Mon amie dit « Luca, je vais t'amener à une compétition de danse et tu vas voir exactement c'est quoi le breakdance. » Je suis comme « Ok, cool. » Cette compétition, c'était dans une boîte de nuit dans le centre-ville de Washington, D.C. J'avais seulement 15 ans, puis j'étais la personne plus jeune dans la salle. Quand j'ai rentré, j'ai vu un grand cercle. Puis dans le milieu du hip-hop, dans le milieu du break, ce cercle, ça s'appelle une cypher. Puis dans le cypher, il y a les danseurs qui dansent un à la fois, qui partagent leurs émotions. Puis cette journée-là, j'avais envie de rentrer dans le cypher. Mais je n'ai jamais dansé dans ma vie. Mais vous voyez, avoir des béquilles, ça m'a donné un avantage d'avoir des bras un peu plus forts que des personnes qui n'utilisent pas des béquilles, parce que je dois toujours utiliser mes bras. Alors, ça m'a donné une opportunité à créer un mouvement que je voulais vraiment montrer dans ce cypher. Mais j'avais un petit problème, j'avais un défi. Parce que, vous voyez, moi, j'utilise des orthèses comme ça tous les jours. J'ai 36 ans et j'ai utilisé des prothèses comme ça toute ma vie. Et qu'est-ce que ces prothèses ils font, ou ces orthèses, qu'est-ce qu'ils font? Ils aident à tenir mes jambes tout droit. Alors maintenant, je ne peux pas plier la jambe. Et ça garde ma jambe tout droit. Comme ça, je peux rester debout pour des longues périodes du temps. Si je veux m'asseoir, je vais juste pousser le bouton ici, puis je peux plier ma jambe. Mais ces orthèses, elles sont très lourdes. Ils ne sont pas trop flexibles et ils ne sont pas trop commodes. J'ai 15 ans, je suis à cette compétition de danse. Je voulais vraiment montrer ce mouvement que j'étais capable de faire, mais j'avais mes orthèses. Je décide, je trouve un coin en arrière de tout le monde. Je me cache, puis j'enlève mes orthèses. Mais j'ai un petit problème, j'ai un petit défi. Parce que quand j'avais 15 ans, mes jambes étaient beaucoup plus faibles de ce qu'ils sont aujourd'hui. Si j'essayais de me lever debout, j'avais juste mes genoux qui juste tombaient naturellement et j'avais aucune façon que je pouvais marcher dans le milieu du cercle. La seule façon que je pouvais aller dans le milieu du cercle, c'était d'aller à 4 pattes. Imaginez-vous un jeune homme de 15 ans,
dans une boîte de nuit dans le centre-ville de Washington, D.C., où tout le monde est debout. Puis t'as ce gars qui marche à quatre pattes autour de tout le monde. Il dit, excuse-moi, hey, ne marche pas sur ma main. Puis finalement, j'arrive dans le milieu du cercle. Mon cœur commence à battre plus et plus vite. Je commence à me demander beaucoup de questions. Pendant que j'étais dans le milieu du cercle, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Je veux retourner. Puis j'ai même entendu quelqu'un dans la salle qui a crié, qu'est-ce que ce chien fait dans le milieu du cercle? Immédiatement, je me suis senti intimidé. Et la seule chose qu'il voulait faire, c'était de retourner, mettre mes orthèses et retourner chez moi. Mais mon père, il m'a toujours enseigné, notre premier échec, c'est de ne pas essayer. Venir ici dans le milieu du cercle, je viens juste de prendre la première étape. Je me suis dit, je devais montrer ce mouvement et après, je pourrais rentrer chez moi. Alors, j'ai fait ce mouvement devant tout le monde. Cet mouvement, ça s'appelle une planche. Et c'était des push-ups de planche que les personnes qui font la gymnastique ils sont capables à faire. Mais dans le milieu du break, en 2002, c'était très rare à voir des personnes qui font des planches. Alors quand tout le monde a vu ça, c'était comme « Oh my God, that's so crazy !» Et immédiatement, je me suis senti accepté. Et quand on a retourné à l'école, on a commencé un club de breakdance. Et on commençait à pratiquer tous les jours. Puis avec le temps, je commençais à développer un style de danse assez unique en utilisant la force de mes bras, puis mes béquilles comme une extension de mes bras. Alors, n'importe quel mouvement j'ai fait au sol, j'essaie de répéter sur mes béquilles, comme ça. Ça, ça m'a aidé. Merci. Ça m'a aidé à créer ce style unique où je suis fier à partager avec vous que malgré ma différence, malgré mon handicap, je suis une danseur professionnelle. C'est quelque chose que moi, je n'ai jamais pensé serait capable et c'est quelque chose que la société aussi, ils n'ont jamais pensé que je serais capable d'être une danseur professionnelle. Je suis fier à partager avec vous que j'ai fait des tournées en plus de 35 pays autour du monde. J'ai compétitionné contre et avec certains des meilleurs danseurs au monde. Puis la danse, c'est quelque chose que je trouve que ça donne la vie à la société. Une autre de mes rêves que j'aimerais partager avec vous, c'est que moi, en grandissant, j'ai toujours eu le rêve d'essayer de marcher sans mes béquilles. Puis quand j'étais né, les docteurs, ils m'ont vu. Ils ont dit à mes parents que probablement je serai sur un fauteuil roulant pour le reste de ma vie. Mais mes parents ne savaient pas c'était quoi un fauteuil roulant. Alors ils m'ont acheté un tricycle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché mes pieds sur les pédales du tricycle. Puis ils avaient une petite corde, puis ils me traînaient juste comme ça. Et j'avais mes jambes qui juste bougeaient en cercle comme ça. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une opportunité pour mon cerveau à savoir comment bouger mes jambes. Parce que vous voyez, il y a 18 ans que je n'étais pas capable de faire ça. Il y a 17 ans que j'étais seulement capable de prendre 3 pas. Aujourd'hui, je commence à prendre plus et plus pas pour vivre mon rêve à marcher sans mes béquilles. En 2014, je me suis donné un grand défi où j'ai marché 2,5 km sans mes béquilles, sans mes orthèses. La marche m'a pris plus de 2 heures et demie. Et j'ai appris quelque chose d'extrêmement important cette journée-là. C'est que réalistiquement, je ne vais jamais être capable de marcher sans mes béquilles, sans l'aide des prothèses ou des orthèses ou avec une assistance. Parce que la réalité, c'est que mon corps n'est pas fait pour ça. Mais ça ne veut jamais arrêter d'essayer de toujours apprendre les pas. Parce que même si je ne vais jamais marcher exactement comme une personne normale, moi, j'ai ma marche à moi. Moi, j'ai une swagger walk naturelle. Puis, je vous partage cette marche parce que pour moi, cette marche, c'est plus un symbole.
Parce que chaque fois que je vais prendre des pas, puis si je vais tomber, je vais toujours essayer de me relever. Vous voyez, en grandissant, je n'ai jamais eu le rêve d'être une danseuse professionnelle. Je ne savais même pas c'était quoi la danse avant de rentrer dans l'école secondaire. Mais aujourd'hui, je vis tous mes rêves, mais comme une danseuse professionnelle. Je ne suis pas une pilote d'avion, mais avant COVID, j'étais sur un avion chaque semaine. Je ne suis pas une professeure à l'école, mais j'enseigne la danse à les personnes partout au monde. Je ne suis pas une chanteuse de musique, mais je suis devant vous sur un micro où je partage mon histoire et je gère une équipe de danse internationale. Puis je ne fais pas partie d'une équipe de baseball, mais je fais partie d'équipes de danse où je fais des compétitions et performe partout au monde. Vous voyez, nos rêves vont changer la forme. Et c'est de rester ouverte. La chose qui est importante, c'est de rester ouverte à découvrir notre potentiel en complet. Parce qu'une fois, qu'on apprend à faire les choses dans nos façons, une fois qu'on apprend à faire les choses différemment, on va apprendre à faire tout. Et c'est le minute qu'on croit en nous-mêmes, ça va être le minute qu'on va croire et on va être capable de vivre dans nos rêves. Je crois beaucoup dans l'idée de pas d'excuses, pas de limites, parce que c'est vraiment l'idée d'essayer de faire tout de qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas créer des excuses, on ne peut pas dire qu'on n'est pas capable de faire les choses sans essayer. On doit essayer, notre mieux. On doit être ouverte à le potentiel que ça peut créer. Parce que il n'y a vraiment pas de limite avec ce qu'on peut accomplir. Merci. Avant que je vais présenter ma danse en fauteuil roulant, j'aimerais partager mon rêve pour la campagne Rêver pour créer. Mon rêve pour les prochains 20 ans, c'est que on peut vivre dans un Québec inclusif organiquement. Qu'est-ce que je veux dire par organiquement inclusif? C'est que les personnes, les gens peuvent se rassembler ensemble, honnêtement, en toute sincérité, sans obligation. Je trouve que si on prend le temps d'apprendre de chacun de nos différences, on va être plus fort ensemble. Parce que c'est nos différences qui créent la force dans notre société. Alors, je vais demander à tout le monde, si vous avez un rêve, partagez ce rêve avec les personnes à côté de vous. Partagez ce rêve avec Rêver pour créer. Parce qu'ensemble, on va être capable de vivre tous ces rêves ensemble. Merci. DJ. Thank you.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Je suis un peu sans mots. Merci beaucoup, Luca, de nous partager cette histoire, de nous apprendre cette nouvelle chorégraphie. Ben, à ce moment, c'est à votre tour. On vous invite à aller sur Rêve pour créer. On vous invite à rêver la société québécoise de demain. Nous allons recueillir tous ces rêves, les analyser, les prendre comme source d'inspiration pour composer des chansons, pour créer des ouvrages artistiques, pour influencer finalement les décideurs publics. Nous avons ensemble le potentiel de changer notre avenir. La démarche Rêver pour créer a été lancée juste avant que la pandémie ne frappe le Québec. Et aujourd'hui, on relance la récolte des rêves. Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour imaginer le Québec de demain. Alors, pour ceux qui sont à la maison, sur le site web, vous allez voir un nuage orange en bas à gauche. Ben, c'est avec ça que vous pouvez soumettre vos rêves. Prenez votre temps, commencez à réfléchir, parce que à ce moment, c'est Luca et nous, on va discuter un peu. Après ça, il va nous enseigner, il va nous apprendre des moves. Et après, on va discuter un peu sur des questions qu'il y en a, que vous, à la maison, vous allez nous poser. Donc, merci beaucoup encore une fois, Luca. Et parfait. C'est à ton tour. Merci. Cool. Alors, le programme n'est pas encore fini. En effet, on vient juste de finir la conférence puis la performance. Mais maintenant, c'est le temps pour la danse à tout le monde. Alors, pour mon public qui sont en arrière de la caméra, je vais vous inviter de prendre un peu d'espace autour de la salle. C'est sûr, apprenez les mesures safety de COVID-19, 2 mètres de distance et regardez votre masque. Puis, si vous êtes à la maison ou dans votre bureau et vous voulez danser avec nous, je suggère que vous preniez un peu d'espace autour de vous. La sécurité, c'est la chose plus importante de tout le monde. Aujourd'hui, je vais enseigner les concepts parce que la danse, c'est vraiment pour tout le monde. Alors, je ne vais pas enseigner des pas exacts, ça va être juste des concepts et des idées, des mouvements. Le premier concept, alors je vais demander à tout le monde à venir à danser avec moi. Le premier concept, qui c'est la chose plus importante dans la danse, parce que la danse, c'est le rythme, OK? Alors, c'est le groove. Je vais mettre une chanson, notre DJ va mettre une chanson, puis je vais juste demander que tout le monde groove sur la musique. Je ne vais pas demander que vous bougez, vous prenez la place, juste sentez le rythme dans vous. DJ, hit the beat! OK? Alors, tout le monde peut sentir les instruments différents. Ouais. OK? On bouge. Just groove it out. Feel that groove. OK? Yeah. On peut bouger la tête. On peut bouger les épaules. On peut bouger le chest. On peut bouger les bidons. On peut bouger les fesses. OK? On bouge les genoux. Groove it out. On peut groover juste sur un compte. On peut faire double time. Yeah. Groove it out. Feel that groove, tout le monde. Yes. Good. OK, on va baisser la musique. All right. Maintenant que tout le monde a compris le groove, on coupe la musique. Maintenant que tout le monde a compris le groove, OK? Le groove, c'est la base plus importante. Avant que vous allez rentrer dans votre danse, vous devez vraiment écouter la musique et sentir le rythme. Tout le monde aime danser sur des instruments différents. Alors, quand vous entendez la chanson, essayez de choisir l'instrument que vous voulez et danser sur ce groove-là, OK? Le concept que j'aimerais enseigner, c'est quelque chose qui va aider avec vos pas. Alors, peu importe si vous êtes debout, en fauteuil, assis ou au sol. Ce concept, c'est vraiment avancer et reculer. Alors, vous pouvez prendre des pas à avancer, vous pouvez être en fauteuil, vous pouvez avancer en fauteuil, vous pouvez être comme ça, ou vous pouvez même glisser au sol. Alors, si vous êtes assis au sol,
Vous pouvez même avancer, reculer. Alors, le concept, c'est vraiment avancer et reculer sur le beat. OK? On va juste essayer ça sur la musique, tout le monde ensemble. On va faire juste 30 secondes. DJ, hit the beat. OK? On avance. Yes. Nice. Yeah. Nice. I like that. Yes. En arrière de la caméra, tout le monde est en train de danser. On va essayer si on est capable. Tout le monde va inverser ensemble 3 pas. On a dit que 3 pas. Good. Maintenant, on peut faire le même concept, mais on va aller côté à côté. Yeah. Nice. Good. Alors, le concept, c'est vraiment à juste bouger dans une direction. Comme j'ai dit, si on est debout, on avance avec les pas. Si on est en fauteuil, on va bouger en avant, en arrière, côté à côté. Mais même si on est statique, si on est dans un bureau, and we just want to feel that groove, on met le corps, la tête en avant, on recule. Avant, on recule. La danse, c'est vraiment pour tout le monde, OK? Alors, ce concept, c'était vraiment à bouger dans des directions. Deuxième concept, c'est très simple, c'est le spin move. Alors, maintenant, vous avez le droit de bouger et on va tourner comme on veut. Doom. On bouge, we groove, and you just turn. Boom. Good? Parce qu'on va faire ça, mais après, je vais ajouter un défi de plus. DJ, hit the beat. All right? Tout le monde, we're going to just feel that groove. Feel it. Good. Et on va tourner. Boom, boom, da. On tourne de l'autre côté. Boom, da, da, da. Good. Maintenant, je vais essayer de demander un défi. On va changer le niveau. Good. Si on est capable, on bouge le niveau. Feel that groove. Et on tourne. Boom, da, ah. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Nice. On remonte. On est très haut. Yes. Good. On va essayer de tourner le plus vite qu'on est capable de faire. Sur le compte de 3. 1, 2, 3, go. Boom. Nice. Yes. OK. Maintenant, on va faire la même chose, mais très lentement. Slow motion sur le compte de 3. 1, 2, 3. OK, OK, DJ. Good. On coupe la musique, s'il vous plaît. Nice. Good. Comment vous sentez? Vous sentez bien? Oui. Ouais? Alors, je vais donner un dernier concept avant qu'on finisse en freestyle. OK? Le dernier concept, c'est jouer avec la vitesse. Alors, on a déjà essayé ça avec le tour. Tournez vite, tournez lentement. Mais c'est la même chose. Je vais demander que vous preniez le concept de prendre un peu d'espace, avancer, reculer, tourner, pam, pam, pam. Vous faites un peu comme vous voulez, mais si moi j'allais dire slow motion, tout le monde, slow motion. J'allais dire plus vite, plus vite. Est-ce que tout le monde est prêt? Yes! DJ! All right. Yes. Feel that groove? Keep. Yes. Good. Maintenant, on va danser vite. Good. Maintenant, on danse lentement. Vite. Good. Et maintenant, normal. Yes. OK, DJ. Nice. Est-ce que vous sentez bien? Oui. Oui. All right. Alex, j'ai une question technique. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière chanson? Oui. OK. Alors maintenant, c'est la partie où on va prendre tous les concepts. On avance. On recule. On va côté à côté. On prend la place un peu partout. Et on va bouger.
il y aura une nouvelle chanson. Cette chanson va être pleine d'instruments. Et j'aimerais voir que tout le monde fait un freestyle and just dance freely. Encore, la danse est pour tout le monde. Tout le monde peut danser. Est-ce que vous êtes prêts? All right, DJ! Yeah, everyone, feel that groove. Nice. Yes, on pump it as fast as possible. Yes, let's move it around. Yes. Hey, it's a dance party. Yes, nice. Je veux voir. Nice. On bouge tout le corps, tout le corps. On bouge les bras. Yeah. Nice. I like that. Nice. Good. On bouge les bras. Nice. Yeah. Yeah. Essayez de bouger les deux pieds. Essayez de bouger différemment. À faire quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire. Un petit atelier de danse, c'était vraiment juste à vous faire bouger. Avant qu'on rentre dans les questions, j'aimerais premièrement remercier notre public à venir ici et m'écouter, à me laisser partager ma passion avec vous. Comme une artiste, notre joie, c'est vraiment de danser devant un public. Alors aujourd'hui, vous allez aider à tenir un de mes rêves de danser devant un public en plus de 5 mois. Alors, merci pour ça. J'aimerais dire aussi merci à INM, Musée Macord, pour me donner cette opportunité. Merci beaucoup. J'aimerais aussi dire merci à mes amis qui m'ont donné la musique. Alors, il y a DJ Benny Lava et DJ Crops qui ont fourni la musique. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message, puis je vais vous envoyer leur lien de SoundCloud. Ils sont des DJ vraiment incroyables. Alors, merci Benny Lava, merci Crops. Puis, maintenant, c'est le temps de questions. So, thank you all again, merci beaucoup. Puis, s'il y a des personnes en public, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à demander à Alex pour partager votre question à la maison ou au bureau. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, tapez-le dans le YouTube, comment ou dans la page Facebook et je serai content à répondre à toutes vos questions. Merci. Bon. Merci. Alors. N'importe quel. Awesome. J'enlève mon masque. Tu as un peu d'eau? Oui, s'il vous plaît. Comment ça s'est passé, Lucas? Ça s'est passé, honnêtement. merci. Cool, merci. Ça s'est passé beaucoup mieux que je pensais. ça sentait vraiment cool. Ma femme, Melissa, peut vous dire que ce matin, I was a wreck. puis hier soir, j'ai eu la chance de parler avec mon crew, Ill Abilities. Puis j'ai annoncé à mon crew, je like, yo guys, j'ai une première spectacle. Puis je disais que I'm an emotional roller coaster dans le sens parce que j'étais vraiment nerveux. Puis aujourd'hui, je me sens spécial parce que ça fait, avant COVID, j'ai dansé, je faisais des performances au moins 2 fois par semaine. Et ça, c'était comme partout au monde. Puis COVID est arrivé, j'ai toujours continué à danser chez moi et j'ai fait 2-3 petites choses comme YouTube Lives sur, à ma maison. Mais vraiment danser devant un public, there's nothing better than dancing in front of a public. So,
je me sens vraiment bien, puis j'ai la sensation comme si quand j'avais commencé dans la danse, like when I first started, just that excitement and that adrenaline, I was like, ah! So, je me sens vraiment bien. Merci. Merci. Merci beaucoup à toi, Lucas. Et on a un couple de questions. Je ne sais pas si dans le public, il y en a d'autres, mais je vais commencer avec une question qui a été posée par quelqu'un sur le site. La danse t'a amené à rencontrer beaucoup de gens partout dans le monde. As-tu un souvenir spécial de tout ce monde-là? Par exemple, quelqu'un qui t'a marqué d'une façon spéciale? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont marqué spécialement dans ma vie. Mais je peux partager quelque chose qui est arrivé à notre crew dernièrement quand on était au Japon, septembre l'année dernière. Et je dirais, c'était pas une personne qui m'a marqué, mais c'était le pouvoir de la danse qui m'a marqué. Et c'était l'émotion que ce danseur a partagée, que ça va être quelque chose que je vais jamais oublier. On était au Japon, on a fait partie d'un festival, puis pendant le festival, on a fait une tournée autour du Tokyo, puis on a visité une centre jeunesse. C'était pas une prison, mais c'était pas une école régulière. C'était une école pour des jeunes qui ont des troubles de comportement. Et que dans le pays du Japon, ils ne vont pas être capables d'être dans la société japonaise. Alors, ces jeunes-là vivent dans cette école. Puis, quand on a rentré dans la salle, ils nous avaient mis dans une salle en arrière, une salle verte. Puis, on entend comme un grand soufflet. Puis ces jeunes commencent à marcher comme des soldats. Et tu commences à entendre des cris par les professeurs qui crient à leurs jeunes. Et on rentre dans le gymnase et les jeunes sont tous alignés, mais ils sont alignés parfaitement. Genre, comme, like, perfect, genre comme ça, tout alignés avec la tête en bas. Puis, on commence à donner notre conférence, et c'était une conférence atelier de danse. Puis, il n'y avait aucune réaction de les jeunes, parce que les jeunes avaient peur de réagir, parce qu'ils avaient peur que leur professeur allait crier et peut-être leur frapper. Et c'était quelque chose, on pouvait sentir la tension dans la salle. Et chacun de nous dans le crew, tu sais, comme, tu vois, moi, je suis une personne pleine d'énergie. Fais du bruit, tout ça. Puis après, c'est vraiment silencieux. On peut entendre des crickets qui sont dans la salle. Et à la fin, on a passé 2 heures avec ces jeunes-là. À la fin, on était capable de réussir à voir tout le monde danser avec nous, même les gardiens et les professeurs danser avec les jeunes. Et on a vu des souris avec tout le monde. En sortant de la salle, il y avait Samuka, une membre de mon équipe, qui commence à pleurer. Il a dit, maintenant je comprends le pouvoir de la danse. Il a dit, lui, il vit au Brésil, dans les favelas, il a vu des personnes meurent devant lui. Il a vu des choses, mais il n'a jamais vu quelque chose comme il a vu en Tokyo. Et là, ça m'a marqué parce que ça m'a vraiment réalisé que la danse, c'est vraiment une langue internationale. Nous, on est venus au Tokyo, dans un pays où on ne parle pas la même langue, puis à la fin de la journée, on a été capable de danser avec tout le monde et partager l'espoir et la joie de vivre. Ben, j'espère que ça répond à la question. Lucas, c'est quoi l'histoire derrière la chorégraphie fauteuil roulant? En effet, ça fait quelques années que j'ai toujours voulu danser avec le fauteuil roulant. Aujourd'hui, c'était vraiment comme une essai, un expériment pour voir comment ça va marcher. J'ai appris beaucoup juste aujourd'hui parce que j'ai raté quelques mouvements, mais ça m'a appris aussi que the dance keeps on going, puis même si j'ai raté certains mouvements, j'étais capable de kind of keep on moving parce que le fauteuil bouge. Puis l'idée en arrière de cette danse pour moi, c'était montrer, au moins mon but, c'était de montrer que la société voit une personne en fauteuil roulant, puis il voit une négatif. Et je voulais vraiment finir avec ma tête en arrière pour essayer de voir that we can flip it.
Parce qu'il y a une opportunité, il y a des possibilités avec des fauteuils roulants et on est capable de faire des choses que des personnes qui n'ont pas un fauteuil roulant, ils sont capables, ils sont pas capables à faire. Donc ça, c'était un peu le but. Puis c'est quelque chose, pour moi, it's a work in progress. Et je vais dire ça live. In the next year, my plan is to make a full-length show using part of the wheelchair, using my crutches. Et vous allez voir quelque chose de différent. I'm saying it now because I have to give myself the pressure to do it. So. Et tu vas nous inviter? Vous êtes tous invités. Merci. On espère que COVID est fini, comme ça on peut avoir beaucoup de monde. Merci, merci beaucoup. Parmi le public, qu'est-ce qu'on a des questions? C'est des questions en ligne. Une question de Cécile. Si vous n'aviez pas cet handicap, auriez-vous tout de même voulu être un professionnel du skateboard ou de la danse? Oh. Ça, c'est une très bonne question. Alors, est-ce qu'ils ont entendu la question? Oui, alors. Merci. Alors, c'est une question qui vient du site web de Cécile. Si vous n'aviez pas cet handicap, auriez-vous tout de même voulu être un professionnel de skateboard ou de la danse? C'est une très bonne question parce que je pense que c'est... peut-être c'était mon handicap qui m'a présenté ces activités-là. Ça se peut que peut-être avant, si je n'avais pas un handicap, je faisais peut-être partie plus d'une équipe de baseball ou une équipe de football, ferais quelque chose de différent. Mais je pense que le skateboard, puis la danse, le break, ça donne une opportunité pour des personnes qui sont différentes à s'exprimer. Et c'est là, je pense, que pourquoi j'étais attiré au skateboard et le... La danse, c'est parce que c'est vraiment, je ne dois pas être comme la personne à côté de moi. Je peux être moi-même et je peux apprendre à faire les choses dans ma façon. Et ça, je pense, c'est sûr que je ne sais pas si je danserais si je n'avais pas le handicap. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je dirais que la danse m'a donné l'opportunité à accepter mon handicap et utiliser ça comme ma force. Merci. J'ai une autre question aussi qui vient du lien YouTube de Mélissa Eblin. Ma fille aimerait savoir, c'est quoi ton move préféré à faire sur scène? Hi, babe. Mélissa, c'est ma femme. C'est écrit ta fille, puis là, je me suis dit, c'est peut-être une erreur de frappe. C'est vraiment ta fille. Oh, man, I'm excited. mon move préféré, alors moi j'ai, quand je suis en compétition, j'ai mon elbow spin. Mon elbow spin, c'est quand je tourne sur mon coude. Puis quand je suis vraiment hype, ça c'est mon move préféré parce que je peux tourner, puis je tourne comme, ça sent que je tourne en infini. Mais je dirais, ultimement, avec mon âge, c'est sûr que maintenant j'aime plus groover et juste danser sur le beat et juste... Je dirais que mon move préféré, c'est rentrer dans la musique. Moi, j'ai une question qui vient de moi suite à cette question-là. Est-ce que tu danses avec ta fille? Est-ce que je danse avec ma fille? Oui. Alors, j'ai deux filles, Aura et Luna. Puis à la maison, spécialement depuis le confinement, on danse tous les jours. Ouais. Une question de Jean-François. Durant la pandémie ou avant la COVID-19, est-ce qu'il y a un projet dont tu es fier d'avoir fait ou d'avoir réalisé? Je dirais que tous mes projets, je suis extrêmement fier. Je suis fier de mes groupes de danseurs qu'on a au Grand Ballet. On avait un groupe de, je pense, on était 12 danseurs, tous avec des handicaps différents. Puis mon but, c'était d'essayer d'entraîner ces jeunes à devenir des danseurs professionnels. Puis en décembre 2019, nos jeunes, ils ont fait leur première performance devant un grand public, puis c'était vraiment un moment émotif. Puis je dirais que tous les moments que je peux partager avec mon crew Ill Abilities, c'est quelque chose de... Ah, pardon. je dirais que tous les moments que je peux partager avec Ill Abilities, c'est toujours un moment incroyable pour moi, parce que les gars sont mes meilleurs amis, puis on partage vraiment des beaux moments. Mais je dirais que tous les moments, même présentement aujourd'hui, être ici dans la salle, on a expérimenté quelque chose complètement différent. En utilisant la technologie avec le public, on a fait vraiment une hybrid performance, puis ça, c'était vraiment spécial aussi. J'ai une dernière question d'une personne qui n'a pas laissé son nom.
Comment est la vie lorsqu'on est handicapé? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as besoin d'aide dans la vie de tous les jours? Et si oui, qui t'aide? Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Premièrement, moi, je suis né avec mon handicap, alors je ne connais pas la vie d'une personne qui n'a pas un handicap. Alors, ma vie, c'est ma vie aujourd'hui et c'est mon quotidien. Présentement, avec mon handicap, avec mon âge, je commence à sentir la différence dans mon corps. Comme je commence à avoir plus de douleur dans mon dos, dans mes articulations. Une chose avec la riposte, c'est une condition qui vraiment affecte les articulations. Alors, je suis capable de savoir quand est-ce que ça va pleuvoir un journée avant qu'il pleuve parce que mes articulations deviennent plus raides. J'ai deux enfants, j'ai une fille qui va avoir 5 ans bientôt et une bébé à 4 mois. Puis, initialement, être papa, c'était un grand défi pour moi. C'était probablement le plus grand défi que j'ai jamais vécu parce que je n'étais pas capable de tenir mes filles dans mes bras parce que j'avais toujours mes mains. Et initialement, j'ai commencé à devenir très... je commençais à rentrer dans ma tête. Je commençais à penser que mon handicap m'affectait. Mais après un peu de temps, j'ai commencé à m'adapter et apprendre à être papa et faire les choses différemment, mais dans ma façon. Puis maintenant, mes filles, ils me connaissent. Et par exemple, pour prendre ma fille, je vais être au sol, puis je mets ma fille ici et je me traîne comme ça. Puis ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est sûr que c'est différent, puis en public, c'est un peu dur. Des fois, je peux me sentir un peu gêné à faire ça, mais mes filles connaissent ça. Alors, moi, je suis leur papa, alors ils sont habitués que je fais ça avec eux. Mais c'est sûr que ma femme, Mélissa, elle m'aide tous les jours avec ça, tu sais. Mais c'est un travail d'équipe et les choses que moi, je ne suis pas capable de faire, elle m'aide à les faire. Puis les choses qu'elle n'est pas capable de faire, moi, je l'aide à les faire. Ça. Merci encore une fois, Lucas. Et merci à vous, à la maison. Merci à toutes les participants qui sont ici avec nous sur place. On se verra une autre fois, Lucas. C'est sûr. C'était très spécial comme activité. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. J'aimerais aussi, on n'a pas mentionné, mais il y a une équipe technique incroyable en arrière, Hubert et Arnaud. Alors, merci à l'équipe et à Roxane. Donc, merci pour ça. Et tout le monde à la maison, merci beaucoup pour venir voir. Ça, c'était vraiment une nouvelle expérience pour chacun de nous. On a appris beaucoup. So, thank you very much. Merci au public. On espère que vous avez aimé ça. Rêvez pour créer, guys. Peace.